Bamako, la capitale du Mali, a accepté du 15 au 17 octobre 2019 la rencontre du groupe de travail RIE sur la division des innovations dans la chaîne de valeur RIE et la mécanisation dans les pays de mise en œuvre du programme CEO, Centre d'innovation verte de la GIZ. Ils sont 15 pays bénéficiaires du programme CEO, Centre d'innovation verte, dont l'objectif est de contribuer à un développement rural durable dans les zones rurales sélectionnées. Les participants et participantes sont venus du Burkina, du Bénin, du Côte d'Ivoire, de la Tanzanie, du Ghana, du Nigeria, de l'Allemagne et du Mali. À l'occasion de faire l'état des lieux des acquis en mécanisation dans la chaîne de valeur RIE et de la SRI riziculture au niveau de chaque pays, ce mardi 15 octobre 2019, le président de l'interprofession RIE du Mali, le directeur adjoint du Agrisan, le directeur adjoint du CIV Global ont successivement introduit la contribution de la coopération allemande à travers GIZ, essentiellement le cluster agriculture innovante et sécurité alimentaire, tout simplement Agrisan, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture du Mali. À leur suite, le représentant du ministre de l'Agriculture du Mali a procédé à l'ouverture des travaux. Suivons la cérémonie d'ouverture. Le Mali, en 2018-2019, on avait à peu près, comme on l'a dit, 3 161 728 tonnes de riz. C'est un peu. On est à peu près à 94% autosuffisant. Le Mali est autosuffisant, c'est quelque chose. Mais avec tout ça, mais si nous arrivons à augmenter le rendement de 50%, et nous saluons ici le CIV qui nous a accompagnés pour essayer de mettre le SRI comme un programme national, et le processus est en cours avec l'appui du CIV. Mais à côté de ça également, au Mali, il y a la stratégie nationale de mécanisation qui est en cours avec l'appui de CARD. Peut-être augmenter le rendement pour être autosuffisant, pourquoi pas, pour exporter. Aujourd'hui, les pays asiatiques sont en train d'inonder notre marché et c'est des devises qui sont en train de sortir. Et on a la possibilité, avec la mécanisation, d'éviter des pertes post-récolte et la FAO chiffre ces pertes post-récolte à 20%. Imaginez 20% de 3 millions, ce que ça peut représenter pour la sécurité alimentaire. Ici, on est réunis autour de cette mécanisation. Je salue cette initiative. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, chers collègues membres du groupe de travail RIE, mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs, la contribution de l'Allemagne dans ce processus de promotion en vue d'un épanouissement harmonieux et durable du secteur agricole malien se fait à travers plusieurs actions, dont la mise en œuvre de l'initiative Un seul monde sans fin, qui a été lancée par le ministère fédéral allemand à la coopération économique et du développement, BNZ, en 2014. Cette initiative, que nous jugeons salvatrice en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones d'intervention, est mise en œuvre au Mali à travers le CEVO, le Centre d'innovation verte, le projet d'appui à la riziculture en zone OFI du Niger avec un cofinancement de l'Union européenne, par exemple, et le CEVO Résilience, Sécurité alimentaire, et enfin le CEVO Agrofinance. Chers membres du groupe Travail RIE, mesdames et messieurs, concernant le programme global d'innovation verte, objet de notre rencontre de ce matin, il est mis en œuvre dans 15 pays, comme c'était déjà dit, et la composante Mali du programme global est rattachée au cluster agriculture innovante et sécurité alimentaire et nutritionnelle et est placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Cette composante est exécutée en étroite collaboration avec les directions centrales et leur démembrement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Borté. Pour terminer mon propos,
Je souhaite au nom du club Saragissant un agréable séjour à nos collègues venus des pays frères et amis. Je vous invite, chers collègues, à bien profiter de la brise du fleuve du Liban qui vous accueille à bras ouverts. Pour terminer, je tiens à affirmer que je demeure convaincu que cette rencontre aboutira à des échanges fructueux qui permettront de promouvoir la filière riz dans nos pays respectifs afin d'assurer une amélioration de la situation alimentaire, nutritionnelle et économique des acteurs de la dite filière. Vive la population internationale pour le bonheur de la population. Je vous remercie. Guten Tag et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Honorable invité et représentant du ministère, messieurs, mesdames, directeurs et directrices de département et division, chers amis, chers collègues partenaires, participants aussi du groupe de travail, donc soyez les bienvenus au nom du programme Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire. Mais aussi de la mécanisation que cette filière propose. Le programme Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire est mis en œuvre dans 14 pays, comme mon ami et collègue vient de le dire, dont 14 en Afrique et 1 en Asie. Ce programme a pour objectif de contribuer au milieu rural à un développement durable grâce à l'introduction et la diffusion d'innovations dans le secteur, entre autres, bien évidemment, dans la filière riz sur laquelle nous allons discuter ces prochains jours. Ce programme s'inscrit dans l'initiative spéciale Un seul monde sans fer, lancée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, en 2014. Pour la petite histoire, je me souviens très bien des intenses discussions, des va-et-vient et des longues journées, début 2014 à Bamako, lors desquelles nous avons essayé de dessiner les grandes et les petites lignes du Centre d'innovation verte au Mali, avec mon cher ami et collègue Yaya Bado et à l'époque Florence Dumont, un représentant de la GIZ d'Eternil et l'ancienne conseillère technique principale Hilke Röder, que je salue. Un des piliers de ce programme est aujourd'hui la mise en réseau des acteurs autour des thématiques sélectionnées, telles que les filières lait et pommes de terre, l'agriculture biologique ou encore, bien évidemment, la filière riz. Ceci afin d'échanger sur les expériences faites, les bonnes pratiques, les nouvelles technologies, mais aussi, bien évidemment, afin de discuter de quelques questions en commun à niveau politique, comme par exemple sur la question « Quelle politique pour une chaîne de valeur riz compétitive, inclusive et résiliente en Afrique de l'Ouest par rapport au riz importé ?» Dans ce cadre, je veux bien vous féliciter en tant que membre du groupe de travail riz pour les différents résultats discutés et déjà acquis depuis la création du groupe en 2015. Pour rappel, en 2017, la réalisation et la présentation lors de la conférence régionale à Nairobi d'une étude comparative dans 5 pays sur la production du riz. En 2018, une visite lors de la conférence régionale à Cotonou du Africa Rice Center et du Centre de recherche national du riz. Et récemment, en juillet 2019, la réalisation d'un voyage d'études en Chine qui a permis de comprendre la technologie résultant dans un rendement jusqu'à quand même 18 tonnes à l'hectare par rapport 3, 4, 5 tonnes à l'hectare en Afrique. C'est donc dans ce contexte que le Mali s'est proposé d'organiser cet atelier sur la mécanisation tout au long de la filière riz, dont il est bien avancé. Et oui, le Mali est l'un des plus grands producteurs de riz en Afrique. Son expérience nous a montré
l'intensification, la professionnalisation de la production du riz, et ainsi la possibilité de devenir autosuffisant en denrées alimentaires, même dans un pays sahélien, avec une pluviométrie pas forcément favorable. Je vous assure que lors de cette deuxième phase du programme Centre d'innovation vert pour le secteur agricole, que nous allons accentuer l'échange entre les pays participants et autour des thématiques telles que le riz. Ce qui, j'en suis sûr, nous permettra de faire avancer l'ensemble des acteurs et de contribuer ainsi à la croissance économique en milieu rural en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre participation et notamment les personnes qui viennent de l'extérieur, de votre disponibilité. Je souhaite succès et bonne réussite et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de l'ambassade d'Allemagne au Mali, Monsieur le représentant de la coopération allemande UNICEF, Monsieur le directeur national de l'agriculture, Monsieur le directeur national du génie rural, Monsieur le directeur général de l'Institut d'économie rurale, Messieurs les représentants de l'interprofession de la filière riz au Mali, Madame la responsable du groupe de travail riz du Centre d'innovation verte, Mesdames et Messieurs les participants venus du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne et de la Chine, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vous rendant qualité et grade tout protocole observé. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour procéder à l'ouverture officielle de la rencontre internationale du groupe de travail riz du Centre d'innovation verte au Mali. Je voudrais à ce titre souhaiter la bienvenue à tous les participants ici présents. Distingués invités, chers participants, la filière riz au Mali est considérée comme l'une des filières agricoles prioritaires. En effet, la place du riz dans l'économie nationale n'est plus à démontrer, à raison du fait que la branche consolidée du riz participait en 2015 au produit intérieur brut PIB pour 5% contre 2,5% en 2000. Mesdames et Messieurs, chers participants, pour le développement de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture a initié plusieurs activités, notamment des efforts d'investissement et des réformes entreprises dans la gestion des aménagements hydro-agricoles, du renforcement des capacités des acteurs, la subvention des engrais depuis 2007-2018, la mise en place d'un programme spécial de mécanisation et une meilleure organisation de la filière à travers la mise en place de l'interprofession riz. Ces actions se sont traduites par une hausse importante de la production du paddy qui est passée de 1,078,770 tonnes pour la campagne 2006-2007 à environ 2,920,877 tonnes pour la campagne 2017-2018. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'objectif du gouvernement de faire du Mali un exportateur de riz n'est toujours pas atteint. Mesdames, Messieurs, chers participants, depuis la campagne de 2015-2016, le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction nationale de l'agriculture et ses structures déconcentrées, collabore avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ, notamment le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire CIE au Mali, et le programme d'appui au secteur des intérêts de l'irrigation de proximité passive dans le cadre de la diffusion du système de riziculture intensive SRI, simple ou combiné à d'autres technologies comme le placement profond de l'urée et les biofertilisants. Mesdames, Messieurs, chers participants,
Compte tenu des résultats encourageants observés, notamment l'augmentation des rendements moyens de 2,5 tonnes à l'hectare et de 7,5 tonnes à l'hectare, avec des pics de 10 à 12 tonnes à l'hectare. Fait que le SRI contribue à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation des gaz à effet de serre. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ont décidé de faire de sa mise à échelle une priorité. C'est pourquoi l'élaboration d'un programme national SRI est en cours avec par la DENA et ses partenaires. La mécanisation est aujourd'hui une alternative incontournable pour la mise à échelle du SRI et la modernisation de la chaîne de valeur. Distingués invités, chers participants, l'objectif principal visé à travers l'organisation de la présente rencontre est de favoriser les échanges d'expérience entre les pays du groupe de travail ENI, le Centre d'innovation verte globale, dans le cadre de la diffusion des innovations, en particulier de la mécanisation. Je saisis encore une fois cette occasion qui m'est offerte pour adresser mes remerciements au groupe de travail qui vient de faire une visite d'échange riche et mémorable en Chine, qui donnera une nouvelle dimension à la coopération Mali-Chine. Je reste convaincu que les SRI et la mécanisation contribueront à faire de la riziculture le moteur du développement de notre pays. Chers invités, je voudrais terminer mon propos en remerciant les organisateurs de la rencontre et tous les participants. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la rencontre internationale du groupe de travail ENI au Mali. Je vous remercie. Maintenant, la rencontre est officiellement ouverte. Tout le monde est content. Mais il y a quand même. On a pensé que, avant que les autorités ne se retirent, que les pays vont. J'ai essayé de le faire par ordre alphabétique et si jamais je me suis trompé, bon, ça n'est pas possible. Allemagne, tous ceux qui sont de l'Allemagne peuvent se lever. Voilà. Ok, j'ai le Bénin. Ouais, je sais le Bénin. Ensuite, j'ai le Burkina Faso. Eux, ils ne sont pas. Voilà. Bienvenue au Mali. Ensuite, j'ai la Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'Afrique à l'Ouest. Vous, vous êtes plusieurs représentants pratiquement de l'Afrique. Le Ghana. Ghana. Voilà. Une forte délégation aussi. Merci. Le Mali. Nigeria, le Cape Verde, comme on le dit. Ensuite, Tanzania. Voilà, la Chine n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons un peu indépendantes de notre volonté et de leur volonté aussi. Quand on dit échange d'expérience, nous devons apprendre des uns des autres. Chaque pays a présenté son expérience dans la mécanisation, dans la chaîne de valeur RE. Au Mali, la culture est millénaire. Plus de 3500 ans, ils ont domestiqué le riz africain, qu'on appelle le orisa de la Bérima. C'est la méthode centrale du Mali. Et c'est ça qui fait référence. C'est le riz africain. Donc ça signifie qu'au Mali, quand on parle de riz, on sait ce qu'on dit.
Ensuite, le Mali est le deuxième producteur de riz en Afrique de l'Ouest, après le géant Nigeria. Et nous sommes à un peu plus de 3 millions de tonnes. Concernant la mécanisation, tout ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en concernant le riz, le Mali a mis en place une stratégie nationale de développement de la riziculture qu'on appelle SNDR. Le Mali a développé une sous-stratégie de la mécanisation de la riziculture. De présenter le CUE Mali, des bons de savoir, la politique nationale du riz, les objectifs nationaux dans le cadre du riz. La production nationale, on disait, plus de 3 millions de tonnes, sur une superficie de 969 hectares, une consommation par personne de 114 kg, souvent d'autres vont jusqu'à 80 kg. Taux de couverture des besoins, environ 85%. Souvent, le Mali est autosuffisant. En général, l'importation, c'est de 10 à 15%. Cela justifie un peu toute la politique nationale qui est basée sur l'extension des superficies avec la mécanisation et puis l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la qualité du riz. Ouais, ça, c'est un point très important, le développement du stockage et le circuit de commercialisation. Donc, c'est ce qui influe sur les activités réalisées par le CIU. Spécifiquement dans la chaîne de Vendée-Ville, les principales activités, je vais essayer de parler un peu de quelques principales activités réalisées par le CIU Mali. Et les activités réalisées par le CIU dans le cadre de la production, nous faisons généralement des contrats de subvention avec les services techniques pour les permettre de produire, souvent faire la diffusion des séries plus tous les intrants associés. Et des contrats aussi avec les ONG allemandes et avec la plateforme ULI ici dans la salle dans le cadre de la mobilisation des acteurs autour des innovations. Et j'ai l'honneur de vous informer que nous sommes dans un processus d'élaboration d'un programme national SRI. Ça a été dit aujourd'hui dans les discours, aussi des pôles de formateurs par région. Parce que pour pouvoir faire des séries dans toutes les régions, il faut avoir au minimum des formateurs certifiés. Donc, basé sur le champ école, l'approche champ école paysan, entrepreneuriat école agricole. Et puis, nous avons assez d'outils, des manuels. Et on se planifie de travailler avec la recherche dans le cadre SRI plus des variétés hybrides et SRI plus variétés résistantes aux pommes. Et l'accès aux intrants. Nous faisons la diffusion du biofertilisant de l'éléphant vert, surtout parce que c'est industriel, une tonne à l'hectare contre 10 tonnes à l'hectare par rapport à la pratique paysanne. Donc ça c'est très important pour en discuter. Et aussi il y a la diffusion de l'urée granulée. Et cela nous permet d'utiliser 72 kg par hectare contre 200 kg en urée en poudre. Donc c'est cette machine qui fait la granulation pour donner ces granules. Parce que quand on utilise l'urée en poudre, il y a assez de pertes. La transformation et la commercialisation. Nous avons axé nos efforts sur la diffusion du kit riz 180 qui est même venu du Bénin. Et aujourd'hui, nous avons la version 150 kg. Et la formation des artisans qui nous a permis de faire la diffusion de cela, de ce kit. Et les femmes aussi dans les bonnes pratiques pour l'utilisation du kit. Nous avons aussi des contrats de subvention avec l'interprofession RIE pour la structuration et le renforcement des capacités des acteurs. Et puis on a vu l'association des commerçants de riz et du riz. On a mis l'accent sur le riz et du riz. Appui à l'organisation et la participation des acteurs aux bourses et foires. Et l'accompagnement de deux entreprises de minérisées. Moi, c'est Mokhtar Traoré, je suis conseiller technique au niveau du Centre d'innovation verte, la composante du Mali. Je m'occupe des aspects de mécanisation et d'énergie renouvelable.
Ok, donc, comme vous le savez, le CIV, le Centre d'innovation verte, dans le cadre du renforcement de la chaîne de valeur RIE, nous sommes surtout sur le système de riziculture intensif que nous croyons aujourd'hui être une réponse aux grandes, on va dire, c'est une réponse vraiment aux grands défis de production et de diversification. Et les activités de mécanisation ont commencé il y a à peu près 2 ans. Donc au départ, nous avions commencé à mettre en place des micro-entreprises de jeunes, là aussi dans le cadre de l'emploi en milieu rural, donc qui font des prestations de services donc au sein d'organisations paysannes. Donc elles ont évolué entre-temps après un accompagnement et des renforcements de capacités. Aujourd'hui, ces formes de prestations mécanisées permettent de plus en plus à donner des offres de qualité aux paysans et à faciliter l'accès des paysans aux équipements. La grande question que nous avions eu aussi à débattre, c'est vraiment le financement. Comment faciliter l'accès au financement, qui est le défi majeur même aujourd'hui. Donc là, avec l'appui du projet Agrofinance, nous sommes en train de mettre des modèles, des business models rentables qui permettent aux différents acteurs de pouvoir accéder plus facilement aux intrants et à travers ceci, justement, pouvoir augmenter leur niveau de mécanisation. Une autre question clé, peut-être, c'est la promotion de la fabrication locale des équipements. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous avons souvent des cimetières d'équipements non adaptés et pour éviter cela à l'avenir, nous sommes beaucoup dans une dynamique d'adaptation et nous avons des leaders comme Socafon aujourd'hui. On a la chance d'évoluer avec eux et voir comment on peut avoir des équipements appropriés où une grande partie peut être fabriquée localement. Et tout ceci pour permettre vraiment de booster cette mécanisation qui est un des objectifs premiers aujourd'hui dans le développement agricole. Besoin de discuter surtout avec vous par rapport à votre stratégie sur la mécanisation. Parce que comme vous l'avez dit, nous voulons vraiment, à partir de 2020, nous engager beaucoup plus dans la mécanisation, notamment voir les opérations de conduite de la culture, les principales opérations qu'on peut trouver en mécanisée et quelles stratégies on veut développer. C'est effectivement les mêmes approches que nous voulons aussi développer parce que nous ne sommes pas dans l'approche communautaire où il faut remettre l'équipement à un équipement qui va gérer le rendement. On veut aussi effectivement aller dans l'approche privée en développant des prestataires de services qui vont essayer de utiliser des équipements que nous voulons trouver. C'est ça. Donc, je voulais qu'on puisse avoir l'occasion de partager. Non, il n'y a pas de problème. Non, je pense qu'on aura l'occasion. Ah, ça va, Ces 2 jours. Sûrement. Pause café. Bien demain, je pense que ça va être très intéressant. Ok. Avec tous les équipements qu'on verra, ce serait un bon cadre d'échange justement par rapport à tout ça. Voilà. Moi, je m'appelle Sanogo Daouda. Je viens de Burkina Faso. Je suis conseiller technique en développement agricole au sein du projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire du Burkina Faso. Pour pouvoir atteindre ces objectifs au niveau de la mécanisation agricole, nous avons commencé avec le moyen fournitif d'intrants. Et c'est à ce niveau que nous avons introduit une innovation en collaboration avec l'entreprise allemande Petrus, où nous avons introduit auprès dans le cadre d'un partenariat public-privé une unité de nettoyage mobile de semences. Qui peut traiter toutes sortes de semences et de les calibrer. Et donc, je crois que l'expérience à l'inauguration, on a invité des représentants des différents pays. Ça a intéressé beaucoup de gens. Je crois que même le Mali, d'autres pays ont commandé. Il y a des privés même qui ont commandé des prototypes de cet équipement-là. Et l'autre aspect sur lequel nous avons mis beaucoup d'accent, c'est surtout la transformation. Parce que nous sommes dit que c'est l'aval qui va tirer l'amont. Pour que la production puisse, il faut que les producteurs soient sûrs et certains qu'ils vont pouvoir vendre. Et là, on a mis l'accent là-bas. Et à ce jour, nous avons mis 3 unités de transformation à l'échelle du pays, en collaboration dans le cadre de partenariats public-privé avec des entreprises privées burkinabées, qui sont l'entreprise Agro-Eco-Business qui se trouve dans la région du Sud-Ouest,
l'entreprise Nema Agricole du Faso qui va opérer une unité de transformation à Bobo et l'entreprise Faso Agriculture et Intrants qui va aussi opérer une unité de transformation à Ouahabou dans la région de la Boucle du Moule. Maintenant, en ce qui concerne les défis, on s'est rendu compte que pour que la chaîne de valeur fonctionne normalement, il faut que les producteurs puissent augmenter les rendements. Aujourd'hui, le problème de la main-d'œuvre se pose avec Acuté. Et donc, il faut que nous trouvions des solutions de mécanisation qui puissent permettre de faciliter certaines opérations culturales et qui puissent se faire à temps au regard des changements sociaux culturels et des changements climatiques qui nous sont imposés. In Nigeria, our mechanization rate, our mechanization rate is still quite low, 0.27 horsepower per hectare as against the recommended 0.8 horsepower per hectare. For the GIZ CARI project, we're trying to work with the actors in the mechanization sector. Those are the tractor owners who are in a form of a group. We're also working with local fabricators and then service providers and operators of mechanization equipment or machinery. We are presently working with the Bank of Industry in Nigeria to provide loans to service providers of mechanization equipment to see how they can acquire those equipment and also to provide service. So there are business models that we've developed for them in order to ensure that there's profit in running these equipment. And what we have agreed with, the bank has an interest rate of 9%, which is the least interest rate available for most financial institutions. And therefore, this is a cooperation with the bank that we're working with in order to provide these services, service providers with the equipment that they require. Another thing we're trying to do is to organize these operators and service providers into cooperatives or groups to see how they can further provide additional services to more farmers. We realize that we have groups of tractor owners and operators like Tofan who provide these services. Unfortunately, they do not have a very wide reach because the service they provide falls short of the demand every season from the farmers. And therefore, there's a cooperation to also see where there's a mapping that's been done to see that these services are provided to these different clusters of farmers. My name is Stella Longbo. I'm with the Competitive African Rice Initiative Program of GIZ in Abuja, Nigeria. We also build the capacity of equipment operators, like the tractor operators, and this two-wheel tractor operators. They lack a lot of knowledge in operation to work the soil to good tilt for rice. Rice actually needs a good land preparation for it to do well, as what is happening. When I saw the video of land preparation in Mali, I was very happy. That was why I asked the transplant question, because they can adopt a lot of transplanters on their fields with the level of land preparation we are doing here. I think it's fantastic. Je suis M. Aguida Alain, je travaille à la GIZ au Bénin, conseil technique sur les centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire. Alors, il faut dire que au niveau du Bénin, il y a un état des lieux qui a été fait sur la mécanisation agricole au niveau du pouvoir public et qui révèle un certain nombre, cinq caractéristiques essentielles. On peut résumer notamment au fait qu'il y a un faible niveau de mécanisation dans la production végétale, animale et halieutique. Aussi que même ce faible niveau de mécanisation est beaucoup plus artisanal
Et on remarque aussi un déficit de la recherche action allant dans le domaine de la mécanisation et un faible niveau de coordination des interventions dans ce secteur-là. Alors, c'est ce qui a motivé quand même au niveau du ministère de l'Agriculture à définir un programme national de mécanisation agricole et à mettre en place récemment une agence nationale pour cette mécanisation-là. Et ce programme national vise trois objectifs spécifiques avec des résultats clés. Et donc, au vu de ce programme, étant donné que nous, au niveau du Centre d'innovation verte, nous avons un programme d'appui à la mécanisation, nous nous sommes insérés dans ce programme national de mécanisation. Et donc, nous avons planifié un certain nombre d'activités qui entrent pleinement dans ce cadre global de planification en matière de mécanisation au Bénin. Donc, en 2016 et 2017, les centres d'innovation verte au Bénin avaient financé un projet de mécanisation au niveau de Africa Rice. Ils ont formé des artisans, ils ont formé 20 jeunes professionnels à l'utilisation et à l'entretien des équipements. Et puis, 40 villages ont été équipés d'équipements essentiels tels que les photocuteurs, les faucheuses, les batteuses et autres. Je m'appelle Ernest Zippel. Je suis avec Africa Rice, je suis le responsable pour la mise en échelle, comme on dit, le scaling. Donc, tout le monde parle maintenant des innovations dans le secteur électronique. Donc, moi, je vois, nous avons quelque chose ici, dans les mains de presque tout le monde ici, c'est un cellulaire. Il faut faire en sorte que le savoir-faire et le savoir, le problème et le savoir des solutions, ça devrait se retrouver dans les cellulaires parce que comme ça, on peut atteindre le niveau des paysans assez rapidement. Donc, qu'est-ce que Africa Rice a développé? Africa Rice a deux logiciels. Il y a une app qui s'appelle Rice Advice et puis l'autre 8 Manager. Rice Advice est fait pour soutenir, pour aider le paysan pour mieux exploiter leur champ, pour augmenter la récolte et surtout pour augmenter l'argent qui reste dans la poche finalement. Avec le 8 Manager finalement, on veut soutenir aussi le paysan à expliquer ce qu'il faut faire avec les plantes qui ne sont pas trop souhaitées et s'il y a des animaux qui attaquent. In our family, but we learned that we need to contribute somehow to raise some standard of our farmers. But coming here in Mali, now I was very much interested to hear about mechanization. As a company like ours, we are mechanized. We have almost 200 acres, and we use all the mechanization from tractors, rotavators, and whatever, harvester and everything. But when you talk about small farmers, and we are discussing now about mechanization, for me, it's giving me a hard time to think about it. Because, as Nigeria says, most of the farmers are rain-fed, they are dealing with rain-fed areas. So most of them are leveled areas. So mechanizing agriculture in unleveled, especially for paddy farming, unleveled developed land, I think it's a complicated thing. À l'Office des périmètres irrigués de Baguineda, plus connu sous le nom de l'appellation OPIB, les participants sont accueillis par les responsables de la communauté. Une rencontre de cadrage a permis aux participants de se faire une idée sur la mobilisation des acteurs en faveur du SRI et de la mécanisation dans la zone de Baguineda.
Pour preuve, le PIB, avec ses 3000 hectares aménagés, a vu le taux de rendement des producteurs passer de 4 tonnes à l'hectare en 2017 pour atteindre une moyenne de 7,5 tonnes à l'hectare en 2018, grâce à la pratique du SRI. Mamadou Togola, directeur au PIB. Je suis totalement satisfait de l'organisation et de l'arrivée de ces gens au niveau de Baguineda. Parce que mieux vaut voir une fois que de l'entendre plusieurs fois. Ce qui va se passer ici aujourd'hui dépasse tout commentaire. Parce que c'est la diffusion d'une innovation qui est le SRI, accompagnée de la mécanisation. Ce n'est pas facile de voir toutes ces machines qui travaillent dans le riz stockées à un même endroit pour la visite des producteurs. En effet, nous commençons par la visite des parcelles pédagogiques sur le SRI. Le PIB a installé, pour la circonstance, 4 parcelles pédagogiques. Si notre 10 à 15 conseils, c'est-à-dire qu'on réplique dans les désordres avec plusieurs plans et par bouquet. Donc, en vous. Maintenant, là, ici, la pépinière, ça fait 25 jours avant d'être répliquée. Non, non. Après cela, nous avons les répliquages en ligne. Ça veut dire qu'il y a un peu de désordre ici. Les répliquages, c'est en ligne. Bien entendu, avec plusieurs plans, au moins 2-3 plans par bouquet. Et là maintenant, c'est moins dense que les répliquages en pousse et encore moins dense que les semis à la volée. Donc nous avons beaucoup évolué avec la pratique SRI, qui est vraiment le cadre de collaboration principale avec les CIV. Maintenant, vous venez de voir ça, c'est ici le système SRI. C'est-à-dire qu'on répique à un plan par poquet et à l'âge de 8 jours. 8 jours de pépinière déjà, on fait les répliquages. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, à un plan par poquet, aux écartements de 0,25 sur 0,25. Donc, c'est cette pratique que nous sommes en train de voir ici. Maintenant, si vous constatez l'ensemble, vous voyez que depuis l'installation, ces parcelles ont été installées à la même date. Donc, nous voyons déjà des différences entre ces différentes pratiques. Ces différences, c'est quoi? C'est le semi à la volée a commencé à épier, sinon, est déjà à peut-être à 80% des piégeons. La même chose au niveau de la pratique SRI. Maintenant, les répliquages en foule et les répliquages en ligne ont un peu de retard en matière de végétation par rapport aux deux pratiques. Cela s'explique par des raisons que nous pouvons vous donner. C'est-à-dire les semis à la volée, c'est une installation directe. Donc les plans ne subissent aucun choc. Donc il n'y a pas de déplacement. Maintenant, c'est ce qui fait que là, compte tenu de la densité, donc l'étalage est moins. Donc pratiquement, il n'y a pratiquement pas d'étalage. C'est ce qui fait que les plans évoluent naturellement et maintenant son cycle prend plus d'avance par rapport aux autres. Maintenant, les SRE aussi a l'avantage sur les deux autres pratiques de répliquage pour la simple raison que c'est répliqué à 8 jours. Et maintenant, les plants sont transplantés soigneusement avec moins de sol. Et aussitôt, la levée est rapide. Et maintenant, sa végétation aussi est rapide. Mais il y a quand même beaucoup plus de talage à SRI que les autres pratiques. Maintenant, les deux autres pratiques consistent la poudre et puis les répliquages en ligne. Leur végétation est un peu lente par rapport aux autres parce que c'est jusqu'après 25 jours que leur transplantation se fait. C'est-à-dire les plants sont vieux et avec le choc. Donc, peut-être le jour même, on arrache en pépinière, ce n'est pas ce jour-là qu'on fait la transplantation. C'est ce qui fait que la reprise est lente là-bas et l'évolution est aussi lente par rapport aux SRI et par rapport aux semis à la volée. Mais l'important ici, c'est quoi? C'est surtout la détermination de la production, les rendements. Maintenant, j'ai bien dit que les SRI a bien talé, que vous pouvez constater ici par rapport aux autres, et aussi les semis, les répliquages, disons,
en ligne aussi à plus talent que les autres. Et les répliquages aussi en foule à plus talent que les semis, les semis dressés naturellement. Donc la différence est peut-être visible maintenant, mais elle sera encore plus constatée lorsqu'on aura récolté et déterminé les rendements. Voilà sommairement ce que je voulais vous donner comme explication par rapport aux pratiques que nous sommes en train de faire ici. Maintenant, la grande parcelle que vous voyez à côté, c'est le reste de la parcelle du producteur qui vous a été présenté. Comme j'ai bien dit qu'il est à sa deuxième année de SRI, c'est pourquoi il a fait tout le reste de sa parcelle à SRI que vous pouvez constater ici à gauche. Voilà en gros ce que j'ai à vous dire. Maintenant, les gens sont maintenant disposés à poser des questions de compréhension qu'ils veulent savoir. Merci. Donc c'est ouvert, hein. Les questions sont ouvertes. La parole est à celui qui voudrait la prendre. Il faut parler. From Nigeria. Are you saying the first sold out by broadcasting, then the second one is planting of single seeds, then this one is transplanted? Est-ce qu'on a jeté les semences comme ça? Okay, yeah, it's a direct voilà. Then the second one. Voilà. La seconde pratique, ça c'est le réplicage après pépinière. So this is planting after the. Mais voilà. Okay. Mais à l'âge de 25 jours. After 25 days. Okay. Okay, after et maintenant, yeah. À plusieurs plants par pocket et dans un des autres. It's not one plant per pot, but many. Okay. Combien vous dites plusieurs? Voilà, combien? Donc ça peut aller jusqu'à 5, 4, 5. From 4 to 5 plants per pot. Maintenant, wait a minute, okay. Ici la troisième. Okay. Ça c'est aussi les répliques. Maintenant, il y a un ordre qui est là en ligne. So planting, but there is a kind of order. En ligne, per line. Mais à deux, trois plans. So two to three plants per hole. Aux écartements de 20 sur 20. So with a kind of distance between the holes, which goes. Aussi, l'âge de replicage, c'est 25 jours. And also the age for replanting is 25 days. Okay. Okay. Yeah. Hello? Maintenant, la dernière. So now the last one. Ici, ça c'est la pratique SRI. So this is the SRI. Ça c'est la nouvelle pratique, système de riziculture intensive. Okay, the intensive rice growing system is practiced here. Voilà. Alors, monsieur, la dose de semences ici à l'hectare, c'est 8 kilos. The dose of seed per hectare is 8 kg. Okay. Voilà. Et maintenant, les plants sont répliqués à un plant par poquet. So it's only one plant per hole. Okay. Aux écartements de 25 sur 25. With a distance of 0.25. Okay. Un seul plant par poquet. So yeah, only one plant per hole. Voilà. Okay. C'est ce qui montre ici l'étalage intensif. Le monde de l'étalage. Voilà. Donc vous pouvez voir ici l'étalage, c'est la multiplication des tiges à partir de la base. You know, this okay, combien de jours pour la transplantation? Vous avez dit c'est 8 jours. Okay, 8 days. 8 days. 8 days. That is 25. Là-bas c'est 25. Ici c'est 8 days. Okay, lui vous laissez single. Oui. But hello, I want to know the difference in the tillering ability because I counted this one and I have about 34 the branches under SRI. Bon, lui, il veut comprendre plus sur le développement des branches, l'étalage, quoi. Mm-hmm. Parce que lui, il a compté, il y a une différence, quoi. Mm-hmm. Mm. Voilà. Donc, effectivement, il peut compter. Parce que généralement, si nous comptons, on laisse les bordures. On laisse les bordures parce qu'il peut avoir d'autres effets. Qui ne sont pas liés à la potentialité certainement du plan de riz. Maintenant, on va à l'intérieur et de façon diagonale. Voilà, on détermine un certain nombre de plants au hasard et on compte le nombre de ramifications. Voilà, donc pour cela, l'étalage est beaucoup plus élevé en pratique SRI que les autres pratiques. Ah, il y en a, ça ne va pas nous la parler. Oh, mais quand on a jambolé, on a l'air de dire que quand on a jambolé,
okera jigiba nana yimira na formation kangu adon nyala nere ku masonre me nere sinda kana karika na furu begai on nana ija nyandu ja ko ko abala exeri chen odoka ma exe bito ni jigiba jiraga baram kanita ramanera madanso lala nan ku yin don dépend de mes cinéma sama sama tita sama sama rek mambolendo nere jole fe robi ne dongu bulakantoi mais ala ni esri fabula de klem be ko sikara kana fa kontra sa ngoro la dongu esri nafa na ngamba fobi dem seron bisika amakana esri ke maliko no bi dongu na ma se ni sambo roi ko ni tunga petai ne man nafa chama yala kabini denga ya meka fuko senegal senesi kura do na koro ya e jigi banano pomo no pe au ya ira a dongu no bebe tam fa de para la Et merci tout le monde. Maintenant, nous allons vous informer comme quoi il y a une coopérative qui a été créée ici autour de la pratique du SRI. Nous allons donner la parole au président de la coopérative pour donner quelques mots. Pour ceux qui comprennent l'anglais, on n'en comprend pas beaucoup, mais le petit mot good morning, on sait le dire. Good morning pour les Anglais. Voilà, moi je suis Lassana Maïga, je suis le président de SRI Wattisera. SRI Wattisera est une coopérative et nous sommes 63 personnes. Le droit d'adhésion, ça fait 10 000 francs et avoir un demi-hectare minimum. Parce que nous avions été formés dans ce sens de faire des coopératives par une animatrice de l'OPI. Donc nous remercions beaucoup l'OPI dès au départ. Grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous avons créé la coopérative? Parce qu'on nous avait dit, si on ne se rassemblait pas, nous ne pourrons rien faire. Il faut que nous soyons ensemble. Cela compris maintenant, il faut que nous soyons maintenant ensemble autour de quelque chose. Et nous sommes venus autour du S. Et pourquoi nous sommes venus autour du SRI? Parce que nous sommes des Baginda. Nous sommes 99% natifs de Baginda. Et vous savez tous que Baginda, c'est le premier périmètre du Mali. Nous ne connaissons que le riz, le maraîchage. Donc nous sommes obligés de chercher à savoir le meilleur système pour notre production. Auparavant, nos parents nous nourrissaient seulement. Pour nous soigner, c'était des problèmes. S'habiller, c'est des problèmes. On est mal logé. Le paysan, c'est le plus diminué. Or, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous voulons être plutôt des producteurs, plus le mot paysan. Le paysan, ça ne doit plus se dire, nous devrons être des producteurs. Et c'est seulement grâce à SRI que nous serons des vrais producteurs. Le vrai producteur, c'est quoi? Bien manger, bien loger, bien aussi véhiculer, et puis tout ce qu'il faut pour le poste de Bamako, il faut que le producteur de Baginda ait cela. Et cela n'est possible qu'avec SRI. Le plus important, parce que ma coopérative, cette année, grâce à CIV, nous avions fait 10 hectares. Et ces 10 hectares ont été suivis du repiquage. Jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui par le PIB. Donc comme tous les partenaires sont là, CIV est présent. Nous les remercions d'abord, M. Kouyaté, des 10 hectares. Mais nous comptons sur 110 hectares pour la contre-saison. By the government, you're afraid by the government. Il dit, vous êtes coopératif. Oui. Est-ce que c'est gouvernemental ou non? Bon, monsieur, ce n'est pas gouvernemental. So, this is not a government issue. Tout ce que nous faisons est 100% nous-mêmes. Nos cotisations, ben, peut-être on peut avoir des legs. Par exemple, le CIV nous a beaucoup aidé par les intrants. Et puis nos champs ont été suivis 100% aussi par l'OPIP. Bon, voilà, là, c'est les choses qu'on peut dire. Sinon, financièrement, c'est nous-mêmes, du début à aujourd'hui. Mais quand même, nous comptons sur toutes les bonnes volontés. But anyway, we are open.
fere bebe bo sababu mi fana na e kan yira diena a kuma nanyina na bito na kamoko na ina foscar kwa be kama ko ire parce que ni ya me mugo bon la ma seri ko kuma fola ni foscar eh foscar ya jense donc a me diga ko ka la ko bela jele bito ngone bito man to ire de koi ay voilà depuis molo killing le tour do anana de pas don flo anana après le no kan don fana kama afle ni halibi après no kan kama donc a me foli ko bela ka du ko ala ka nya ka da ma na herbe mi na la ko la tra nga ala kanu bela jele kambe ami ami Poursuivons la démonstration et rendons-nous maintenant aux différentes pratiques. Comment les machines sont utilisées dans la riziculture et notamment dans la pratique du SRI? La démonstration du nivellement du sol, le semoir à quatre rangs, le repiquage motorisé, le placement profond de l'urée, l'utilisation du drone pour la gestion du sol, la faucheuse motorisée, la batteuse multifonctionnelle. On a été voir le SRI pour en montrer encore vraiment déjà le goût du SRI, même si quelqu'un qui commence aujourd'hui avec le labour. Donc déjà, tout le monde a vu le SRI. Donc aujourd'hui, on est avec une grande équipe aussi de mécanisation, de lobby, de CIV et des producteurs. Donc nous voilà sur le terrain des démonstrations des équipements. Les opérations de labour, d'herçage, de pilelage, le répiquage. Donc nous allions commencer d'abord par cette première parcelle. Le SRI exige une bonne préparation du sol à cause du développement significatif des racines. Le sol doit être bien ameubli, plus particulièrement les 20 premiers centimètres. Les différentes opérations sont le planage, le labour, la mise à bout et le nivellement de la surface de la parcelle. Ces différentes opérations débutent un mois avant la date du répiquage. La barre de planage accouplée au motoculteur sont utilisées pour les travaux. Bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Mortar Traoré, je suis conseiller technique au Centre d'innovation vert. Donc, nous venons de voir tout à l'heure le résultat. Une des alternatives ici que vous voyez, c'est le semoir à 4 ans, qui permet justement un semis rapide de façon très efficace pour parer à la problématique du répiquage. Au niveau bas-fond, donc riz de bas-fond ou bien en submersion contrôlée. C'est déjà le labour qui a été fait et en même temps les nivellements, les herçages. Maintenant, ce que vous allez voir maintenant, ce sera le semis au semoir. On est en face d'un prototype de semoir à 4 ans. Avec le répiquage, ça demande trop de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre se raréfie d'année en année. Donc je pense avec les grandes superficies, bientôt, on n'aura pas la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir répliquer la superficie souhaitée. Par exemple, chez nous, c'est des superficies de 20 jusqu'à 40 hectares. S'il faut chercher de la main-d'œuvre nécessaire pour faire ça, ça pose un sérieux problème. Donc, dans ce contexte, avec notre partenaire en Thaïlande, on a cherché les semoirs à 4 ans. Donc, on a vu que vraiment, ça donne très bien. La quantité de semences à l'hectare, ça ne fait que 40 kg au maximum à l'hectare. Et la densité 25-25. 25 entre les lignes, 25 entre les poquets. Donc pour le sujet de CIV, il veut qu'on fasse ça adapté au système SRI, c'est-à-dire un plan par poquet. Bon, cette précision, à notre niveau, nous ne l'avons pas pu obtenir. Mais en collaboration toujours avec le CIV et l'université Zurich en Allemagne, on est en train d'adapter le prototype à un seul plan par poquet à raison de 25-25. Bon, je crois, selon les informations que j'ai reçues, l'usine a déjà terminé avec cette expérience. Il suffit maintenant d'amener le matériel, on voit en conditions réelles qu'est-ce que ça donne. Nous pensons que si on parvient à adapter ce système au SRI, un plan par poquet, distance entre 25-25
ça fait moins d'efforts et il y aura d'économie de temps et d'énergie. Donc c'est ce système de moteur, c'est moi, qu'on va voir tout de suite en activité. Voici la démonstration avec le semoir 4 ans tracté par motoculteur fabriqué par Sokafon de Nyono. Ordinairement, les répiquages se font à la main. Pour répiquer, il faut prélever les plants dans la pépinière et les mettre à la disposition du groupe qui fait le répiquage. Au maximum 30 minutes pour éviter le dessèchement des racines. Alors la parcelle a été labourée, pulvérisée, nivelée avec la barre nivelée. Maintenant, nous allons vous montrer les répiquages manuels. Alors, les plantes que vous voyez, c'est les plantes qui ont 12 jours. 12 jours de pépinière. Voilà. Donc, ça, c'est le système SRI. Un seul plant par côté, aux écartements de 0,25 sur 0,25. Voilà, c'est ce que nous constatons ici. Non, notre même tête. Voilà. Voilà. Comme la partie est trop brouillée. La répiqueuse motorisée est un atout pour la pratique du SRI sur les grandes surfaces. La répiqueuse est une opportunité de création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Vous voyez donc la machine en action. La machine en action, la répiquée. Ça, c'est le répiquage motorisé. 4 lignes, 4 rangées de répiquage. Nous avons plus de nous avons dans certains cas plus de 2 plans par poké. Ce qui reste à perfectionner, à obtenir un plan. Conditions sine qua non pour les SRI. Toujours en démonstration, voici le placement profond de l'urée. Nous sommes dans une parcelle du SRI, donc qui est sous mes mains une applicataire, donc communément appelée chasseur de bonbons. Donc vous comprenez avec moi que vraiment les coûts de production vraiment est moins à ce niveau. Un autre avantage, lorsque vous voyez au mois d'étalage, ça peut aller jusqu'à 100, soit au-delà de 100. Voilà. Donc ensuite, au moment de la pèse, après la récolte, vous vous rendez compte que c'est plus lourd, c'est plus pesant que vraiment comme les parcelles qui n'ont pas bénéficié vraiment du pépinier. Dans le cadre de cette démonstration, l'OPIB avait tout prévu. Voici un champ mûr et prêt pour la récolte. Alors nous sommes là pour la démonstration des récoltes. Nous allons passer d'abord à la récolte manuelle, voir vraiment comment ça se passe et quelle pénibilité. Voilà, ça c'est la récolte manuelle avec la faucille. C'est comme ça que ça se passe majoritairement dans les périmètres ici. Qui est en train de passer à l'axe. Voilà, il faut nous faire passe. Tout en fait, nous passe. Faites-nous passe. Voilà. Attention. Il faut faire attention. Attention à vos doigts. Attention à vos doigts. Ok. Merci, thank you very much. Ok. Merci, merci beaucoup. Merci, thank you. Alors maintenant, à ce rythme-là, pour récolter un hectare, par jour, il faut 20 personnes. Il faut 20 personnes pour récolter un hectare. Nous allons faire appel à la faucheuse motorisée. Thank you.
Nous venons de terminer avec la récolte de notre riz. Maintenant, nous allons au battage et immédiatement à la mise en sac. Suivez. Que nous avons été apporté par la société Socafon qui se trouve à Nyono. Ils ont amené la bataille pour la circonstance. Alors nous allons donner la parole au promoteur de la bataille. Il va donner les explications techniques par rapport à la bataille. Ah, Monsieur Giré, merci. Très bonjour. Effectivement, on est face à une bataille qu'on appelle la bataille Stéphane. C'est une batteuse en double batteur. C'est-à-dire le premier bat, le produit impropre vient au deuxième qui nettoie très bien. Donc avec ça, il y a une récupération à trois niveaux, très propre, propre et sale. Donc ça, c'est de l'autre côté. Donc après le battage, on n'a pas besoin de vanner encore. Donc l'autre avantage, c'est une batteuse polyvalente. Donc pour les riz, ça fait à peu près 2 tonnes à l'heure. Et le maïs, ça fait 3 tonnes à l'heure. Et ça bat le maïs avec les spats, c'est-à-dire les enveloppes. Tu mets tout, la machine même fait le battage, ça fait le triage directement. Donc ça bat le sorgho, ça bat le bleu et ça bat le fonio. Donc c'est une batteuse très polyvalente. Le clou de la visite de terrain est cette grande expérience de Cissé Agritech avec l'utilisation du drone pour analyser la qualité du sol. Le drone rend la gestion du sol moins chère, plus efficace et plus économique. Ceci l'utilise pour l'application phytosanitaire dans les champs. Oh, oh, oh. Arrêtez d'avoir voulu être plus. À la suite de cette démonstration, les participants ont eu droit à un déjeuner copieux sous les mangueraies de l'OPIB de Baguineda. Et nous avons profité de cette période pour tendre notre micro à Djigba Kouyaté pour son avis sur la visite des parcelles. Effectivement, le Mali est un grand pays de riz. D'abord, dans la salle, nous avons présenté les innovations en termes de système de riziculture intensif, le SRI, et puis les intrants qui accompagnent le SRI, l'urée granulée, les biofertilisants. Et puis aussi, nous avons présenté l'ensemble des machines qui vont avec le SRI, les machines qui les motoculteurs utilisaient la petite motorisation dans la production, dans la préparation du sol. Et après, les machines aussi pour la transplantation, le semoir à 4 rangs, la transplanteuse motorisée. Aussi, nous avons présenté des machines sur l'application de l'urée granulée. Les machines qui fabriquent l'urée granulée, donc la granuleuse, et plus les applicateurs dans un champ SRI. En plus aussi, nous avons montré l'importance des drones dans la riziculture. Aujourd'hui, le drone est important pour faire les applications phyto, mais le drone aussi est important pour nous aider à faire la fertilité des sols.
En 30 minutes, un drone peut faire 100 hectares. Alors que si c'est les experts qui doivent le faire, ils ont 30 jours pour faire à peu près 30 hectares. Donc cela est aujourd'hui un passage obligé pour le développement. Et en plus de ça, nous avons parlé de la transformation, les mini-riseries et tout ce qui va avec la qualité. Dans l'après-midi, la visite de terrain a continué avec les expositions des machines devant les bâtiments de l'OPIB. Les entreprises partenaires que sont Socafon, Cissé Agritech, ADP Descent, Sonaf de Sikasso, Éléphant Vert, la coopérative des étuveuses de Baguineda, Camara Semence, Mali Tracteur ont tour à tour présenté la centaine de matériels agricoles exposés à l'occasion, tout en donnant l'opportunité à chaque participant de poser des questions jusqu'à satisfaction entière. À Baguineda, les producteurs ont leur stratégie des grands jours agricoles, c'est-à-dire par les chansons des virtuoses de la musique agricole. Bassungura et son ensemble ont soutenu la cadence. Avec la transplanteuse, on a vu comment elle l'a dit. Et avec la transplanteuse, on a compris qu'avec les salles clos et mécaniques, on va perdre du temps. Parce que nous avons les grandes surfaces. Ils ont pris des salles clos motorisées. Ce sont les salles clos motorisées qui font le même travail que les salles clos mécaniques et qui sont beaucoup plus rapides. C'est en essence, ça marche très bien dans le champ. Donc après, on est arrivé au problème de pulvérisation. Donc, réplicage, synchrobinage, la pulvérisation, on est passé au drone pour la pulvérisation, l'épandage des graines, des traitements et des trucs. Ça, c'est le drone. Donc, nous avons des systèmes très avancés. Nous avons pu quand même exploiter cette année 25
25 à peu près hectares de riz basmati. Nous venons d'installer deux usines. Nous sommes en installation de deux usines dans la zone office du Niger. Et on va produire le riz basmati fait malien cette année. Normalement, dans deux mois ou trois mois, vous aurez le riz basmati. Et de deux, on a la deuxième usine encore qui va faire le vrai gandiaka. Parce qu'on a vu que le gandiaka n'est pas mis en valeur au Mali. Les riz qui arrivent à Bamako est trop mélangé, il n'y a pas de valeur. Donc on va traiter le gandiaka pour des sacs de 5 kg et 10 kg prêts à l'emploi. Donc, dans deux mois, nous allons démarrer la mini des riz. Voilà. Ça, c'est... Merci de nous avoir invités ici. Merci de nous avoir invités ici. Bonjour. Nous sommes ADP Sénégalais en Djigui. Bon, nous sommes une entreprise traditionnelle érigée en entreprise en 1994. Et nous sommes basés à ça. Nous intervenons dans l'équipement agricole et surtout le matériel. Nos produits sont des équipements de labour, de transport, de transformation. Bon, maintenant, nous avons aujourd'hui les tubuses gris. Voilà, que vous voyez ici, les femmes sont en train de l'utiliser. Bon, et bien, il y a des résultats ici. Voilà. Le riz étudié. Voilà. Bon, cette machine, nous l'avons développée pour faciliter vraiment le transport, la manipulation. Voilà. C'est ce que nous avons pu faire sur cette machine. Bon, donc, nous avons encore. Il va brancher. Voilà. Voilà, vous-même vous voyez, c'est malien. Assama. Voilà. Le transport est facile et puis rotatif. Voilà. C'est ce que nous avons pu développer sur cette machine de transformation. Ensuite, nous avons une projection qui sont les semoirs à riz. Ces semoirs à riz, nous l'avons conçu d'abord en sierra pour les motoculteurs, ensuite pour les tracteurs de 8 à 12 heures. Donc maintenant, leur capacité varie en fonction de leur charge de travail. Voilà. Bon, donc ça c'est une projection pour l'année prochaine, l'an 2020. Ensuite, nous avons ici la sableuse motorisée. La sableuse motorisée que vous voyez ici. Les étapes. Ok. Merci. Applaudissez pour ADP. Tu n'as pas bien applaudi. D'accord. Ce que je peux ajouter pour ADP, il y a eu un concours sur l'innovation. Et ADP a eu le premier prix au niveau du Mali pour le concours d'innovation. Et le concours, ils ont eu 1 500 000 de prix. Ça a été donné à la nature. Un poste de 6 000.
Voilà. Le Forum africain de la recherche agricole. Oui. Au fait, nous, nous sommes sur là, il y a des sociétés vraiment et fils, et une société. Moi, dans ce contexte, vraiment, c'est ici. En temps normal, si on utilise l'urée dans les engrais, est arrivé à la conclusion que sur chaque 3 sacs que nous utilisons, que nous mettons dans les champs, la plante ne prend qu'un seul sac. Les 2 sacs sont perdus. 65% de perte d'urée par évaporation, par lixiviation dans le sol et par érosion. Donc, énormément de pertes et surtout l'eau qui bouge. Les industriels le savent, mais nous, les utilisateurs, on ne le sait pas. Donc, nous mettons par la fenêtre nos sous. Ils sont arrivés à la conclusion, il faut éviter l'évaporation de l'urée. En ce moment, en mettant en granule sous pression, en ce moment, on met dans le sol et l'urée va prendre 2 mois en train de se diluer petit à petit, petit à petit. Et ça correspond aux besoins de la plante aussi, qui prend petit à petit selon son besoin. C'est comme les quêtas qui mangent petit à petit selon leurs besoins. Donc c'est comme ça. Donc l'urée granulée, avec cette machine, on arrive à diminuer d'un tiers l'utilisation de l'urée. 72 kg à l'hectare. Que sur chaque 3 sacs que nous utilisons, que nous mettons dans le champ, la plante ne prend qu'un seul sac. Les 2 sacs sont perdus. 65% de perte d'urée par évaporation, par lixiviation dans le sol et par érosion. Donc, énormément de pertes et surtout l'eau qui bouge. Les industriels le savent, mais nous, les utilisateurs, on ne le sait pas. Donc, nous mettons par la fenêtre nos sous. Ils sont arrivés à la conclusion, il faut éviter l'évaporation de l'urée. En ce moment, en mettant en granule sous pression, en ce moment, on met dans le sol et l'urée va prendre 2 mois en train de se diluer petit à petit, petit à petit. Et ça correspond aux besoins de la plante aussi, qui prend petit à petit selon son besoin. C'est comme les quêtas qui mangent petit à petit selon leurs besoins. Donc, c'est comme ça. Donc, l'urée granulée, avec cette machine, on arrive à diminuer d'un tiers l'utilisation de l'urée. 72 kg à l'hectare. Et cela correspond seulement à une granule pour 4 plantes. Et quand tu vois sur un hectare, il y a 16 000 plantes et divisé par 4 et multiplié par 1,8 le poids du granule, vous avez 72 000 grammes. Donc 72 kilos. Voilà, le calcul est très simple, c'est pas diable. Et quand on fait ça, et combiné au produit de l'éléphant vert, on a trouvé la solution pour le riz. Moins d'intrants, moins de semences, moins d'eau.
quand on dit ça, les gens ont tendance à penser qu'on rêve et que ce n'est pas vrai. Mais voici, dans la pratique, tout est là. Mais le problème réside à l'obtention de la machine. La machine vient du Bangladesh. Ça fait 3 ans que nous tentons d'importer la machine. On n'arrive pas. Si Bangladesh, il faut 8 mois d'abord de commande en temps normal. Et en temps normal, peut-être plus d'une année. Donc ça, c'est un premier problème. On ne peut pas importer une seule machine. Il faut plusieurs machines. Elles aussi, ils adaptent. Ils n'ont pas une chaîne de production. Donc c'est une adaptation. Donc voilà, on a des problèmes. L'urée granulée est demandée dans nos périmètres, mais on n'arrive pas à doter les uns et les autres des machines. Donc, il faut que le programme national se réveille et essaie de répondre à ces questions. Entièrement la machine. Vous allez sortir les tamis, les nettoyer jusqu'à ce qu'il y a plus de reste d'adénine. Donc vous allez mettre maintenant le nérica. Donc et puis on a une balance électronique qui permet de peser pour avoir le poids juste.
met les semences ici, les semences, les riz en paddy. On met les paddy ici, et l'autre côté, on met les intrants, c'est-à-dire les engrais. Voilà, l'engrais de l'autre côté. Donc, le tracteur bouge, les roues tournent, comme ça, les semis maintenant, avec, ils posent l'engrais maintenant. Voilà, un à un. Voilà, il faut les aider ensemble. Et puis, ça ferme. Oui, ça ferme aussi. D'accord. Donc, c'est le 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, ça, quand même, c'est très pratique. Très, très pratique. Ok, excusez. Donc, c'est. Voilà. Le semoir là peut faire 2 hectares à l'heure. Hein? Vous consommez le semoir aussi. Pardon? Vous consommez aussi. Oui, mais oui, c'est pas du tout. Tout est monté ici, au Mali tracteur. Mais ça vient de la Chine. Ouais, c'est pas la même couleur. La couleur peut importer, pas de problème. Donc, c'est combien? Ça aussi, c'est combien? Le prix, oui. Le prix. Voilà. Le matériel, le rapport qualité-prix. Voilà. Le prix, c'est combien de rangs comme ça? 6 rangs. C'est très simple. Nous, on a comme vocation de montrer les innovations aux agriculteurs et de leur expliquer l'importance de ces innovations et de les former dans ces innovations et de les mettre en contact avec les services financiers pour l'acquisition de ces innovations. On peut amener un échantillon qu'on peut tester, mais on ne peut pas amener des échantillons pour tout le Mali. Donc, on met un service financier et au sein de nos de AgriSan, nous avons AgroFinance qui nous sert de relais avec les structures financières pour faire ça. Comment adapter les innovations au contexte national? Aujourd'hui, les moteurs viennent de la Chine, mais aujourd'hui ou de l'Asie, mais nous-mêmes, nous pouvons faire tout le reste. Donc, c'est mieux adapté quand l'équipement est complet. Donc, il faut qu'on puisse informer les utilisateurs que nous pouvons, et montrer aussi aux utilisateurs que nous pouvons fabriquer des équipements qui répondent à nos besoins mieux que ceux qui viennent de l'extérieur. Mais souvent, c'est méconnu. Et on importe des équipements alors qu'on peut les fabriquer ici. Le Mali a dépassé le stade d'importer des décortiqueuses, d'importer des batteuses, d'importer même des mini-riseries. Le Mali a dépassé ça, mais hélas, c'est le contraire que nous voyons. Donc, nous devons nous organiser davantage avec les pays du groupe de travail RI. Comment faire le transfert de technologie, comment échanger pour qu'il y ait transfert de pays en pays. C'est ça l'objectif, qu'il y ait des contrats de collaboration entre les pays, entre les privés, entre les différents acteurs. Parce que la demande provenant des autres pays est très très grande. Oui, je suis déjà comblé parce qu'on a fait un grand débat autour de ces équipements. Et puis, je pense que nous sommes tous au même niveau d'information. C'est-à-dire qu'on accepte nos faiblesses. On a des atouts, mais on a assez de faiblesses. Donc, si les faiblesses sont connues, les solutions sont connues, vraiment, je pense qu'on peut espérer sur le développement de notre industrie à travers la très forte mécanisation, parce que l'avenir du SRI dépend de cette mécanisation. Est-ce que la mécanisation aussi fait partie du processus du programme national SRI? Oui, il n'y a pas de programme national SRI sans mécanisation, parce que c'est la mécanisation qui fait la mise à échelle, et ce programme SRI n'est que la mise à échelle du SRI. Donc nous comptons sur la mécanisation pour produire plus, parce que ce qu'on ne sait pas, d'ici 2030, nous serons au Mali 27 millions de Maliens. Et comment nourrir tout ce beau monde avec la production actuelle, si ce n'est pas l'intensification et l'extension par la mécanisation. Merci pour toutes ces questions, pour toutes ces visites, pour l'accueil chaleureux. On aurait souhaité continuer encore, encore, plus encore. Malheureusement, le temps nous manque, car nous devons retourner à Bamako. Nous sommes au troisième jour
Qu'en pensent les différents participants de la visite de terrain à Baguineda? Very much. I think I've made my name known already. I think, in fact, wisdom is not in one man's head. I think wisdom is not in one man's head. Some people are ahead of some people. So there are some people who are designing the treasures and other things. Like we know the centers, like Malik in Senegal. We have Jire in Mali here. And since GIZ and Africa Rice are there, they can give them money. Then they gather the fabricators to go there, study from them. Then they send it to their various countries. En tant qu'exportateur en Allemagne, nous avons affronté très souvent ce problème. Si on a trois produits qu'on veut vendre dans un autre pays, il faut les taxer. Mais si on arrive à montrer que les trois produits, ça vient ensemble pour faire la fenêtre ou bien pour faire la machine, là, ça sera exonéré. Donc, nous avons trouvé des possibilités avec les chiffres des douanes à montrer que ce sont des kits qui seront utilisés pour fabriquer quelque chose qui est exonéré dans le pays. Bon, comme au Mali, si tu prends le cas, on peut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les petits matériels, les 80 à 90% peuvent être fournis par les artisans locaux. Ils ont la formation, ils ont la qualification nécessaire. Mais le problème qu'ils ont, c'est quoi? Nous produisons, nous ne pouvons pas à écouler. Ça, c'est un problème. Si tu vois le cimetière des matières agricoles au Mali, tu trouveras que les 60 à 70%, ça vient de l'extérieur. Et ces équipements, c'est après que nous cherchons à les adapter aux réalités du terrain. Si vous pouvez faire l'effort de nous faire au moins une petite analyse, vous donner des informations technico-économiques, si chaque équipement désire avec les prix, ça va vraiment faciliter l'utilisation. Pratiquement direct. Et c'est vrai que ça dit qu'on a eu à parler de Socafon. Je voudrais savoir, est-ce que y a un dispositif pour d'organisation des artisans et d'accompagner de leur accompagnement pour que les équipements ou matériels qui seront confectionnés soient accessibles et disponibles aux producteurs. Voilà, un des résultats de notre conférence ici, c'est de définir certaines voies de collaboration entre les pays, très spécifiques et peut-être très individuelles. À mon avis, il ne nécessite pas une stratégie prédéfinie de nous. À la fin de cette conférence, j'espère, on a quelques éléments très clairs, quoi faire ensemble et quoi faire séparément. Nous retenons au sortir de cet atelier que les participants décident de mettre en place un réseau afin de soutenir et booster la riziculture dans nos différents pays. Thank you very much. Okay, I'm alone. My friend is out. He has an accident. So, from my view, I think there is one more department at the Ministry of Agriculture called the Department of Mechanization. So one of the officers can be the focal person. So already his name is Lamek Azari. And because he's not here, maybe I can be an assistant. Okay, thank you. Ghana? For Ghana, we would like GIZ Ghana to be consulted in anything concerning mechanization. Okay, so for Nigeria,
we've agreed. The lead focal person for Nigeria would be my colleague, Emmanuel Mon. Emmanuel is an advisor for the Green Innovation Centers. And he would be assisted by engineer Vincent Ochaka. Okay, so Mali. Mali, c'est deux personnes. Au Mali, les artisans fabricants sont organisés en coopérative. Donc, un des responsables a été retenu. Djigiba Mouyati, moi-même, je suis Mamoudou Traoré de la coopérative des artisans. Djigiba Mouyati et Mamoudou Traoré. On va faire, on a lissé en cours, on va donner la liste à tout le monde, plus les adresses. Et... Ok. Did I leave anyone out? Okay, thank you. Voilà. Moi, je pensais qu'on allait procéder à la mise en place d'un vrai réseau. Après la nomination des points focaux, et vous pensez un peu en grande ligne quels seront les rôles aux responsabilités de ces réseaux-là. Et durant quelle périodicité les gens peuvent discuter de certaines thématiques. Donc c'était ça mon entendement. Peut-être que je suis en train de dépasser, mais en tout cas, je pense que c'était nécessaire de faire ça aujourd'hui. Si on met un réseau en place, il faut définir le travail du réseau avant de mettre le réseau en place. Mais souvent aussi on voit on met le réseau en place qui va sortir et définir tout le contenu par rapport au réseau. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il faut avancer. Si on a le temps, on clarifie tout avant de se retrouver. Mais dans ce cas, on a nommé des gens. Il faut que notre réseau soit structuré et qu'on puisse de manière sortir même un document de proposition des tâches des uns et des autres et que le réseau soit opérationnel. Mais si quelqu'un d'autre a d'autres choses à dire, il faut qu'on se dise tout avant de se quitter ici quand même. Moi, je pense que partir tout de suite au réseau, c'est trop anticipé. J'aborde dans le même sens que dit là. Si on met le réseau maintenant sans définir les tâches et les responsabilités, ça serait une coquille vide. Bien vrai que les gens sont trop dispersés. Pour moi, avec les points focaux, c'est une école. On va s'échanger, on va se parler. Et on verra la nécessité même de la mise en place de telles formes d'organisation. Mais trop anticipé, je crois que ça ne va pas donner un résultat positif. Merci. Pour moi, en tout cas, la précaution de madame est justifiée. Mais je pense que nous sommes limités un peu par le temps. Et donc, pour pouvoir rattraper cela, moi, je pense que, comme Djigiba est le point focal supranational, moi, j'allais proposer que les points focaux qui ont été déterminés puissent proposer un petit draft de rôle, comment dirais-je, de cette petite organisation qu'on va partager avec les autres, solliciter les observations des uns et des autres, et pour se donner une prochaine échéance pour pouvoir valider cela. Mais tout de suite et maintenant, ça pourra parler. Merci. Devant nous, ça sort pratiquement les éléments essentiels. Chaque pays a donné un peu les grands défis, les centres d'intérêt. Donc, ce n'est pas comme si on n'a rien. On a déjà beaucoup ici sur la planche. Donc, à mon avis, c'est justement les points focaux peuvent déjà commencer à s'inspirer de ce que nous avions ici. Peut-être que chaque pays peut mettre ça un peu, dans les jours à venir, qu'on mette tout ça un peu plus, mieux structuré. Et je crois que ça peut vraiment servir déjà de base
de travail. Et pour la suite, évidemment, ce serait important qu'on arrive vraiment à définir les rôles et les responsabilités des points focaux. Merci. Actually, what we have just decided is the best idea. The only thing we have selected or nominated focal points of various countries. But there is need to specify that the Mali host country should be the leader, the chairman of that focal point, because there is no journey without a leader. We assign this leader now to sit down with his other colleagues and draw the objectives of this movement, then send it to the virus focal point for dissemination. I think this, if we can make it this way, we have something where we can start. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. I want to support my colleague from my country about selecting a leader for coordination, and I will want to suggest that Mr. Jigiba, who suggested this, should be the leader of this Jigiba. Okay. Be the leader of this committee. It's okay. Par rapport au rôle et responsabilité, c'est vraiment prématuré, mais au sortir de cette conférence-là, cette rencontre, il est bon quand même de fixer les prochaines étapes. Déjà, on a un point focal, un super point focal de tous les points focaux, et Moussara a aussi proposé que la base du travail peut être les résultats des travaux du groupe aujourd'hui. Mes conclusions, c'est que d'abord, tout s'est très bien passé. Je pense que les gens ont vu une diversité de machines à tous les niveaux, dans l'ensemble des maillons. Et on a fait des discussions vraiment souvent tendues. Et c'est très bien. Ça nous permet de savoir les prochaines étapes. Et ces prochaines étapes, c'est quoi? Comment s'organiser mieux pour échanger ces informations? Et comment identifier nos vrais besoins. Et si c'est les échanges entre pays de l'Afrique, oui, pourquoi pas les échanges avec la Chine, avec les autres. Donc, et identifier nos innovations, et mettre ces innovations à la portée pour le bonheur de toutes nos populations. Est-ce que spécifiquement quelque chose pour les femmes et les jeunes? Oui, les jeunes, ce travail est fait pour les jeunes. Et ça fait partie de l'attractivité de la riziculture, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne peuvent plus travailler avec la main. Ces machines, c'est pour les jeunes. Ces machines, c'est pour les femmes, pour alléger. Nous ne voulons plus voir des femmes répliquer à la main. Nous ne voulons plus voir des femmes faire le battage avec des bâtons. Cette période est révolue. Donc nous devons changer. Et si on ne change pas, nous porterons le coup. Et nous devons nous adapter, parce qu'il y a le changement climatique qui nous tire vers le bas. Et nous devons tout faire pour améliorer et augmenter notre productivité. Pour clôturer, une soirée des braves riziculteurs est organisée sous la présidence du ministre de l'Agriculture du Mali. Et tenez-vous bien, cette soirée a été animée par le talentueux Neba Solo. Eh oui, toute bonne chose a une fin. Nous vous disons vivement la prochaine rencontre du groupe de travail RI des centres d'innovation verte.
Jamana yere te dia ni dunga fate jamana mina aye senekela u bariga ja jamana.